Là, on peut dire que là, politiquement, il y a plusieurs courants dans votre groupe. Plusieurs courants et il y a... Même plusieurs mouvements. Est-ce que le rock est de gauche? Incontestablement. Vous avez 4 heures. Qui donne le rythme aujourd'hui? C'est la France Insoumise qui donne le tempo. À la fois le tempo et le texte. Mais c'est pied basse, hein. Ouais, mais il va dire que la basse est en marche. Mais de toute façon, la majorité fait la mélodie après, hein. On écrit la partition. Si on sait dire que la musique, elle est capable d'apaiser un peu le sens de nos débats, ou la nature un peu virulente de nos débats, où parfois les mots vont un peu trop loin, d'où qu'ils viennent. Bah écoutez, c'est la contribution de la musique au débat public, voilà, et donc c'est très bien ainsi. Parce que ça apprend à s'écouter aussi, la musique, non? Ça apprend à écouter le rythme de l'autre, de jouer avec. Quand on joue en groupe, oui. Quand on joue en groupe, pas quand on est en solo. Il y a plein de partitions différentes, hein, une par groupe. Donc des fois, c'est un peu la cacophonie. Et encore, il y a des groupes comme le vôtre où il y a plusieurs partitions dans le même groupe. Alors... On aime beaucoup les tierces. C'est comme ça qu'on innove. On joue en harmonie, ça marche très très bien. Et du côté d'En Marche, vous avez aussi un groupe? Il y a... Ils ont un gros groupe, ils sont 300. On appelle le groupe majoritaire, finalement. Je ne sais pas s'il fait de la musique, mais... Il y a beaucoup de députés qui sont fans de musique. Je voudrais juste vous faire réagir sur une petite vidéo. J'aime bien Nekfeu, j'aime bien Maître Gims. Tina Turner. Ah, c'est cette façon qu'elle avait de se poser qui était, je trouvais, sympathique. Oui, c'est ça. Et... Un peu la femme lion, quoi. Ainsi, moi, je prie pour que tu fumes en exil. Qu'est-ce qui vous plaît chez Mylène Farmer? La sensibilité, la poésie, ça étonne souvent quand je dis Mylène Farmer. Effectivement, on m'attend plus à voir du hard rock ou des choses comme ça. Oui. Et non, non. Moi, j'aime les artistes quand ils dénoncent, mais c'est pas les artistes qui apportent les solutions. C'est le politique qui apporte les solutions. Les artistes de gauche peuvent dénoncer ce qui est un vrai problème. Et on peut proposer des solutions de droite. Le souvenir de Supertramp, c'était... je l'ai vu à Bercy. Et ça, ça restera un souvenir extraordinaire. Le concert démarre, il arrive. Saxo, Marseillaise, et juste Merci la France. Le rap peut être de droite. Ah, je pense qu'il y a un rap de droite, ouais. Moi, je suis pas un rap sain et familial, voilà. Et vous, il faut le signaler, vous avez représenté la France à l'Eurovision. Oui, 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 en 87, c'était une belle aventure. On est libre, le monde nous appartient, notre corps qui s'exalte sous les spots dans les boîtes. Parfois, ça passe mieux, le message. Quand on chante que quand on parle. Et à l'Assemblée, évidemment, j'apprécie pouvoir continuer l'oral. Moi, je sais que peu importe l'heure, quand on termine la séance à l'Assemblée, j'ai toujours dans ma valoche, moi, la petite enceinte portable. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a de la musique, quoi, obligatoirement. Ça ne dit pas ce qu'on va voter. En tout cas, ça donne de l'énergie de réfléchir, ça donne l'énergie d'aller plus loin, ça donne beaucoup de choses, la musique, je partage, c'est un vrai moteur. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir joué le jeu et de nous offrir maintenant un moment assez unique, moi, j'ai jamais vu ça, des députés de différentes tendances politiques qui nous offrent de la musique ensemble. Merci beaucoup, on vous écoute donc maintenant dans Je rêvais d'un autre monde. Ah, ah, ah.